les entreprises, de par la loi du 11 février 2005, sont obligées d'employer, quand elles ont plus de 20 salariés, 6% de personnes en situation de handicap. Il en est de même pour les entreprises publiques, les trois fonctions publiques, territoriales, hospitalières et d'État. Donc pour les entreprises de droit privé, 6%, et si elles ne remplissent pas cette obligation, elles ont, entre autres, des sanctions financières qui abondent un fonds qu'on appelle l'AGFIP. Et quand on voit l'argent qui arrive à l'AGFIP, on se rend compte que les entreprises n'embauchent pas de personnes en situation de handicap et bien souvent préfèrent payer la sanction financière que d'embaucher des personnes en situation de handicap. On peut s'interroger sur que va apporter une personne en situation de handicap dans mon entreprise. Est-ce que ça va être un frein? Est-ce que ça va être une perte de productivité ou autre chose? Il y a plein d'avantages. Le premier, c'est un avantage citoyen. C'est d'intégrer dans l'équipe de l'entreprise la diversité de la société et à travers cette diversité, la personne en situation de handicap. La deuxième, c'est que la personne en situation de handicap, pour accéder à l'emploi, doit beaucoup se battre, doit convaincre, doit conquérir sa place. Et le jour où elle arrive dans l'entreprise, elle s'est tellement battue pour y arriver qu'elle va être très accrochée à son poste de travail, à son travail, et qu'elle va être extrêmement utile à l'entreprise et à l'équipe avec laquelle elle travaille. C'est donc un plus, et avec l'arrivée d'une personne en situation de handicap dans une entreprise, c'est l'entreprise qui grandit. La page vient donc de redémarrer en Martinique, moi je suis ravi. Elle s'est dotée d'un président, Jean-Paul Joanel, qui est connu, qui va donc aider la page à se développer, et surtout pas en concurrence avec les autres. Quand on regarde les besoins du département, quand on regarde les réponses à ces besoins, on mesure combien il est possible de se développer sans aller sur les plates-bandes des autres organisations du champ du handicap. Et donc c'est en partenariat, en fraternité avec les autres, que la page de Martinique va pouvoir se développer en allant sur les sujets qui ne sont pas aujourd'hui portés par les autres associations du champ du handicap. Ça ne va pas être un combat, ça ne va pas être une concurrence, mais c'est travailler avec, travailler à côté, travailler en réseau dans l'intérêt des personnes en situation de handicap de Martinique. Alors, la page est née d'instituteurs. La page a été beaucoup marquée positivement par le monde enseignant. Je suis un instituteur retraité et moi je souhaite faire vivre la diversité. Donc voir arriver un président qui n'est pas enseignant, issu du monde de l'entreprise, je suis ravi. C'est un plus. Et en plus, quand on travaille la citoyenneté des personnes en situation de handicap, l'entreprise est un lieu de citoyenneté. Donc c'est un signe fort, c'est à mon avis un gage de réussite pour cette association qui redémarre, et il bénéficiera du soutien mais fort engagé de la fédération pour qu'il réussisse en équipe à faire avancer cette page de Martinique qui redémarre.